La pandémie de Covid-19 tue des dizaines de milliers de personnes et touche, ou est en passe de toucher, tous les pays. Le coronavirus change le monde, il ne sera plus jamais le même. Individuellement, les esprits sont bouleversés par la situation actuelle. Le prince William connaît la gravité de cette crise sanitaire, le quotidien des soignants actuellement qui se battent contre la maladie en première ligne, submergés par les patients. Selon The Sun, le fils du prince Charles pense même à redevenir pilote d'ambulance aérienne afin d'aider les urgences. Le père de George, Charlotte et Louis, 37 ans, a travaillé durant 2 ans auprès des services de santé à la East Anglia en Air Ambulance, jusqu'en 2017. L'idée de reprendre du service trotte sérieusement dans la tête du prince William, selon une source aux médias britanniques. Il sait que tout le pays pose sa pierre à l'édifice et il veut aider, continue l'informateur. Si est-il le moment idéal pour lui et il veut le faire. Il veut aider le mari de Kate Middleton à lui-même assurer vouloir piloter à nouveau auprès du National Health Service, NHS, le service de santé nationale, durant sa visite dans un centre d'appel du NHS à Croydon, en banlieue de Londres, au début du mois de mars. Le prince William a quitté son poste de pilote afin d'honorer ses responsabilités auprès de la reine et représenter la couronne lors d'engagements officiels. Ce rôle est encore plus important maintenant, étant donné que Charles est malade, contaminé par le Covid-19. Note de la rédaction, Harry s'est retiré avec Meghan et Andrew a été effectivement exclu de la vie publique, rappelle cet intime. Pas sûr, donc, que la reine acceptera de se passer des services de son petit-fils.